Et salut tout le monde, Sonic, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode du Let's Play sur le jeu Paper Mario The Origami King. J'espère que vous allez bien pour ma part. Ça va, dans le dernier épisode, nous avions affronté l'esprit de l'eau et avons donc récupéré son pouvoir. Nous allons donc pouvoir remplir le lac pour nous rendre en direction du serpentin bleu. Hop, donc allons-y. Et c'est parti. Je vous avoue qu'on va passer parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois. Ah, alors Bobby, qu'est-ce que tu dis de ça? T'as déjà vu autant d'eau de ta vie? Maintenant, on peut te barre qui suit le serpentin bleu. Ça pourrait être cool, c'était cool. Désolé d'avoir douté. Je n'oublierai pas cette journée de si tôt. Oui, je sais. Toi, tu cherches un chef. Mini taser tous trouvés. Tous les trous rebouchés. Marteau pilon, modèle à lancer pour frapper à distance. Là, il y a des tots sur cet arbre. Ok, alors attendez, on a eu un nouveau type de marteau. Bien. Je me dis d'ailleurs, je vais peut-être équiper une autre paire de bottes de fer, comme ça s'il vient de casse pendant un combat auquel j'ai besoin d'en avoir. Mais faites voir le pourcentage. Je dirais qu'il reste genre un Toad et un bloc peut-être. Disons que le pourcentage est pas très précis pour ce genre de choses. Youhou, on peut suivre le serpentin bleu maintenant, c'est parti! Dis donc, ça a pas l'air évident. Je peux essayer, j'aimerais me faire pardonner de vous avoir abandonné devant le sanctuaire. Ah, problème, j'ai pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Quoi, après tous ces efforts, c'est une rame qui nous tient en échec? Il n'y aura pas quelqu'un dans le coin qui pourra nous aider à framer? Si on demandait au petit singe remuant là-bas. Hic, hic! Bonjour petit singe, tu ne saurais pas où on pourrait trouver un canotier dans le coin? Ah mais arrête, c'est comme ça que les singes disent bonjour. Oh non, il a filé. Il a même pas répondu à ma question. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Acheter une conserve, c'est déjà une réponse en soi. Peut-être, laisse-moi tranquille, tu parles même pas bien le singe, par exemple. Boîte de thon. Merveilleux. C'est la boîte de thon qui va permettre de faire ramer le bateau. c'est embêtant.
Il est peut-être parti par là. Ou alors faudrait que j'aille voir le mec qui sait naviguer à Toadville. Peut-être. Tentons. Non, je voulais aller à Toadville, je savais pas qu'on pouvait choisir. On va se taper un double chargement alors qu'on aura pu en s'en taper qu'un seul. Alors, pour le port, c'était le petit chemin caché là, non? Il y avait quoi déjà ici? Est-ce que toi tu es vraiment? Alors voilà, ça reste bien sûr entre nous, mais j'ai des mini trésors à vendre. Quoi? Ok. Ah d'accord, il en vend. Ça se trouve, c'est la tête que j'ai raté. Genre, je peux plus les récupérer maintenant. Oh, je pense pas. Ah non, mais il doit vendre les boss, en fait. Je pense qu'ils vendent les objets de boss. J'espère que c'est ça. Je m'égare pas. Mario, c'est toi, tu te souviens de moi ? Le tiré d'affaires au moyen vermeil, alors que j'étais au bout du rouleau. Prêt à mettre le moteur pour la vaste mer, ça sent quand même bizarre. Non. Alors non. Moi je pensais que... Que je pourrais peut-être... Enfin qu'il pourrait peut-être nous aider. Juste c'était pas un truc caché ou quoi que ce soit. Je peux grimper? Non, je peux pas grimper. Ok, donc ça doit rien avoir avec lui. Peut-être juste balader au Mont Vermeil et retrouver le singe. Juste, est-ce qu'ils ont pas des nouveaux trucs à vendre dans leur magasin? Chose un peu intéressante. Ouais, non. Non, non, non. Et le magasin d'artefacts? C'était là. C'était là. Ok, d'accord. Vous servez vraiment à que dalle. Tiens. Je me suis bien amusé au final, c'est pas des pièces que j'ai gagnées. Ah non, c'est rare. Bon, on retourne au moins vermeil, du coup ça n'avait rien à voir. Je fais quoi moi dans ma boîte de thon là? Faut que je retrouve le singe. Je sens que ça va être ça. Minute, y a un truc où je suis pas allé là, je suis en train de voir. Ah non, si, non, si, j'y suis allé, ok. C'est juste que les pièces reviennent apparemment. Et regardez, y a quelqu'un qui dort là.
me suis endormi. Je suis venu faire la fiesta. Où qu'elle est cette fiesta? Quoi? Ah mais il nous suit du coup le mec? Ah ah, trouvé! Tu pourrais essayer de donner quelque chose au petit singe dans la boîte? On n'aime pas le tout en boîte? On n'a pas de fourchette. Mais vous vous foutez de ma gueule? C'est quoi leur nouveau délire là? Il me faut une fourchette et tout. Qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi j'ai un mec chelou qui me suit? Je comprends rien! Celui-là. J'ai apporté le manger. J'ai mis la fiesta de conserva, amigo. Je t'attendais. C'est quoi ça? Des raviolis? C'est ravissant. Prépare-toi à éclater jusqu'à l'épuisement. Alors plus que l'amigo responsable de l'ouvre-boîte. Après ce sera fiesta fiesta. L'amigo qui ouvre les ouvre-boîtes. Ta fuck. Ah, y a un truc là. D'accord. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Encore une fois, ce serait très bien de pouvoir passer ça. Ah mais du coup, on pourra utiliser l'esprit de l'eau dans les combats à un moment. Ils sont pas bien dans un cri comme ça, ces arbis. Et cherche une fête, t'aurais pas vu une fête? Tu m'aides à retrouver, s'il te plaît, monsieur. Oui, bien sûr. Ah, ma fête, c'est bien, monsieur. Ah, ça y est, on est au complet. La fiesta des conservas va pouvoir commencer. Oula. On va ouvrir la conserva. Tu ne résisteras pas. L'ouvre-boîte vaincra. Ouvre quoi? Oups, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Amigo, tu as une mission, une seule. On avait même fait une réunion spéciale pour ça. Comment on fait maintenant? Nous, pour notre fiesta des conservas. On a faim, on a faim. L'ouvre-boîte pour les faibles. Et je suis pas un faible. Bravo, champion. Avec un atelier pareil, on va pouvoir ouvrir et conserver la chaîne. Fiesta des conservas peut commencer. On peut te demander un petit truc. Merci. Alors... Oh voilà un qui est meuton, il ne mange pas, il engloutit. J'espère que cette fois il ne détalera pas. Redemandons-lui s'il sait où trouver un canetier. Oh! Et kikik, viens meuton, c'est trop bon. Meuton, il n'y a que ça de vrai. Vas-y, c'est Mario. Merci, petit gars. Désolé pour une bêtise de tout à l'heure. J'ai encore mon écran qui est devenu tout noir.
Mais c'est quoi ce nouveau truc? Donc me revoilà encore une fois. Enfin, encore une fois, c'était l'épisode d'avant qui a eu le même bug, mais apparemment, je dois couper mon rec quand ce bug se déclenche. Voilà, donc mon écran en fait devient tout noir. Et en fait, c'est très bizarre parce que c'est. En fait, il s'éteint mon écran. C'est même pas. Hop, leur dit bug et il met un écran noir. Non, l'écran s'éteint. Et apparemment, couper le rec remet l'écran à chaque fois. Donc je ne comprends pas. Mais on va faire ça la prochaine fois qu'il y aura ce bug. C'est qu'à force de faire ça, je finis par prendre le pli boudiou. Je suis le Todd Canotier, le seul et unique guide rameur diplômé du Mont Vermeil. Guide rameur, tu es un rameur, dis quand vous voulez. Mince, putain, j'ai même pas fait la voix. Guide, rameur, tu es un rameur. Dire qu'on voulait justement te demander où en trouver un. Et donc, tu serais manier à rame de la barque qui est sur le lac? Pour sûr, pourquoi vous voulez faire un tour sur la rivière? Ça serait de bon cœur et offert par la maison. Je me retourne sur mon quai. Si vous avez besoin de moi, c'est que là qu'il faudra me chercher. Comment faire pour remonter la rivière en barque? Allez, on avance. Alors, prêt à embarquer? Oui. Youhou, une balade sur l'eau. Souk ferme, amiral. Pagaie dans la marée, fais du radam avec ta rame. Ramer, ramer, toujours ramer, rien de tel pour la santé. Ah, attendez, non! D'accord, fallait pas encore dire les paroles. C'est un karaoké le truc. Ok. Ça me fait penser à Animal Crossing avec Amiral. Ah, rien tel qu'un instant de détente, une journée... J'ai pas compris, c'est pas moi qui dirais le contraire. Pardi et singeries, ça fatigue. J'ai pas eu le temps de dire le message en entier. Rivière Folio. C'est moi, on va de plus en plus vite. Bien vu, on est presque rapide. Accrochez-vous, Moussaillon, ça va tanguer. Tanguer? Moi, je croyais qu'on avait embarqué pour une croisière tranquille. J'ai le mal de mer. Oh, quel peau mouillée. Profite des sensations fortes. Ça se fera un peu de caractère. Oula, ils sont rapides, c'est rapide. Je crois qu'on a déversé des trompes d'eau dans le lac puis que ça déborde de partout. Ah non, c'était quand même pas, je ne savais pas. Je vais avoir besoin de péter un nain. Dis-moi par où passer avec le joystick. Ok, cool. C'est pas nous envoyer dans un rocher, hein. Un chèque de trouille, on finit au bouillon. Ah, puis tu pourras pas ouvrir ton menu pendant la phase critique. Garde-les sur le rapide, compris? D'accord. Couchez-vous, marin de douce. C'est parti! Ah, d'accord. Ah, et on peut lancer des confettis, c'est-à-dire qu'il va y avoir des trous? Pourquoi je pourrais sauter? Pourquoi sauter? Pourquoi c'est utile de sauter? C'est parfait, la courbe a été magnifique pour tante. Ah ouais, alors là, on va
sûrement se taper un petit game over, si du moins ça nous fait un game over. Si on meurt. Bon, on s'en fout de l'argent, pire. Je voulais tenter, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux pas. Oh, y'a un trou en haut! Ok. J'espère qu'il n'y a pas de trou en bas. Ah, y'a un trou en haut! Oui, mais c'est pas évident aussi. Ah ouais, carrément. Oh, y'a un trou en bas, y'a un trou en bas, y'a un trou en bas. Je l'ai eu. Ah, oh, mais je m'explose partout. Et avance, mais je prends des dégâts alors que je... My god. Ok, 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 on est bon, on est bon, on est bon. Ah, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Évidemment. Ah mais j'avais pas vu en haut. Attendez, non. 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 Faites-moi revenir en arrière. J'avais pas vu le gros chemin. Je vais devoir tout refaire juste pour ça. Je suis sûr que c'est la fin. Vous savez que c'est la fin? On sait tous que c'est la fin. Là, c'était la fin. Et voilà, c'est la fin. J'adore ma vie. Ok, non, c'est pas la fin. Oh, si, c'est la fin. On est sorti de rapide dans un seul morceau. Alors, ça va être des tours, hein. Ouais, cool. J'ai raté les derniers confettis à placer. On a foulé la quête un peu trop près à mon goût. Surtout que je sais pas nager, moi. Oh là là, je vais devoir faire tout ça juste pour ça. T'es pas voulu sur la pêche aux pièces, hein? Tu sais qu'il y a un prix à la clé si tu échappes toutes. Oh non, c'est vrai. Au début, j'ai pensé à ça. C'est pour ça que j'essayais de prendre des pièces. Puis quand j'ai vu que c'était trop dangereux, je me suis dit, oh non, quand même pas. Ça va donc être ça le truc difficile pour 100%. Je me rappelle pas si j'ai déjà voyagé en barque, mais je trouve ça plutôt agréable. Agréable et pratique. On peut suivre ça pour un bleu sans se laisser distraire. Prochaine station, essayons. Bienvenue à Shogunland. C'est trop bien prisé, c'est bizarre, vous pouvez me croire. Il y a des spectacles, des attractions, tout le temps, toi. Attends, j'ai bien entendu, tu veux dire que c'est... un parc d'attractions? On y va, allez Mario. Puis au loin, là-bas, c'est le château de Shogunland. Tout le monde le connaît, celui-là.
Oh, le serpentin bleu, ça a roulé autour du château. Bah, si je m'étais douté qu'il nous mènerait ici, waouh, que faire, que faire? Je ne vois qu'une solution, Mario. Il faut qu'on aille à Shukunland, pas le choix. Bon, on entre. Reste pas planté là, tu peux pas me faire ça, s'il te plaît, je veux y aller. C'est pas toi qui parlais de ne pas cesser de distraire, tu es sûr que tu resterais concentré dans un environnement pareil? On peut aussi continuer à descendre la rivière, hein. Il va au vent pas loin, c'est toi le chef. On débarque ici. Fou, je savais que j'arriverais à te convaincre, Mario. Compris, amusez-vous bien, vous savez, je vous attends là. Donc ça veut dire qu'il y a une autre zone si je continue? Génial, oh ça va être super, je le sens, Shogunland, nous voilà. Ça fait un peu lui est totalement sorti de l'esprit. Donc ouais, si je continuais, il y avait une autre zone, c'est ça? Ok. Shogunland, billetterie. Ah, faut prendre un ticket. 3 personnes max par ticket, sortie définitive. Ok. Passe royale premium, entrée sortie illimitée. Pour tous, partie gratuite et prix exclusif. Donc, si on veut revenir souvent, mieux vaut peut-être qu'on prenne le passe royale. Je connais une qui a déjà intention d'être une habituée. Tu peux vraiment choisir. Bon, bah, quitte à autant prendre le passe royale. Cher votre truc quand même. Ouais. La mort t'échappe, sois bienvenue chez le champion des cœurs perdus. À ta vie pour te donner du cœur à des fils de briques rouges à tort son air. D'accord. Le raccourci. Billet s'il vous plaît. Place maintenant, place à la royauté. Waouh, regardez le château, il est magnifique. Dire qu'un tas d'attractions et de jeux nous attendent juste derrière ce pont, qu'est-ce que je suis impatiente. Ah oui, ça a l'air très... vivant. Hein? C'est ça, Shogunland? Où sont les autres visiteurs? C'est fermé aujourd'hui ou quoi? Voyons, mademoiselle Olivia, c'était fermé, on ne nous aurait pas laissé entrer. Mais c'est vrai que c'est un peu trop calme. Il y a peut-être un spectacle en cours. Petit souvenir. Pour du dérivé officiel de Shogunland. Eh oh! Oh, j'adore ce bruit. Ça grince. Ça queen, ça grince. Ça gouine. Oh. Pas de passe d'accès, s'il vous plaît. Ça? Passe royale dans la place. Ah d'accord, c'est que si tu as le passe royal que tu peux voir tout ça, yes. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas un truc avec ça. Centre d'information. Du coup, ça comptait dans les mini-trésors, ça, ouais. Ah, mais attendez, du coup. Ok, en fait, quand je trouve les trucs pour la première fois, je devrais ouvrir le menu pour me donner une idée du coup du nombre. Parce que si j'ai trouvé qu'un seul trésor et que j'en suis à 10%, ça veut dire qu'il y a 10 trésors en tout. Il me manque 9. Et le Toad, si je suis à 2% et j'en ai trouvé qu'un. Il n'y en a pas 50 quand même. Attendez, il y a 50 Toads dans cette zone. Ok. Bonjour, confrère visiteur. Suivez-moi, je vous en conjure, ratez-vous. Vous ne devez pas rester exposé de la sorte. Le temps presse, venez de grâce, suivez-moi. D'accord.
confrère visiteur, nous sollicitons humblement votre assistance. Car voyez-vous, Shogunland est envahi par des soudards en bande organisée. Las, c'est très... Okay, donc c'est merveilleux, j'ai encore mon écran qui s'est éteint. Ça va devenir chiant maintenant si ça me fait ça. C'est nouveau, c'est un petit kiff. Bref, je verrai si je trouve une solution, si à un moment ça s'arrêtera. Las, ces traîtres ont capturé pléthore d'employés de ce parc et les ont enfermés au château. Ouais, ça craint du boudin. On s'était trop bien sapé pour le cas et voilà que... Pardon, je m'égare. Nous sommes acquittés d'une somme rondelette afin d'accéder à ces lieux. Nous désirions pouvoir en profiter, j'implore tous votre aide. Des heures guerriers ici. Ces crétins osent salir sanctuaire récréatif de leur présence. Oh, oh, voilà petit Mario, c'est peut-être tombé sur toi, monseigneur. Je comptais bien les sons de la rivière, hein, clair, mais ce machin bleu veut rien entendre. Ça bloque le chemin, quelque chose de bien pas... Hein, quelque chose de bien pas moyen de passer cette porte. Ah ah, le serpentin jaune nous attend juste après la porte. Il y a bien qu'on n'a pas le choix, nous allons devoir commencer par nous occuper de serpentin bleu. Ah, j'avais pas vu, il y avait le jaune, effectivement. Ainsi soit-il, le serpentin doit périr le... Ah non, c'est elle qui parle. Ainsi soit-il, le serpentin doit périr, le destin a dicté. Mario-san, Bobino-san, au château, pressons. Wouah, mademoiselle Olivia, tu te prends vraiment au jeu. Ça dit, tu as raison, on ne pourra rien faire du tout sans les employés. Alors, sur ce château... Que... Je sais plus ça veut dire quoi ça. Non, parce que je sais qu'il y a plein de... Attendez, on dit comment? Suffixe, pronom, un truc comme ça. Pour en japonais. Genre, il y en a plein, ça veut dire des trucs différents, mais je crois que selon l'âge, selon le sexe et tout, il y a plein de trucs différents. Mais San, ça doit être monsieur, je crois. Je suis pas sûr. Du coup. On va refaire ce que j'ai dit tout à l'heure, on est d'accord? Ok, ça augmente que 2%, ça veut donc dire qu'il y avait bien 50 tonnes dans cette zone. Ok! Ça annonce la couleur, hein. Ah, du coup, nouvelle musique? Elle ressemble plus à la première, celle-là. Attendez, quoi? Je fasse descendre. Attendez, je comprends pas. Parce que là, clairement, faudrait faire descendre. Non, j'ai pas trouvé. Bon, du coup, la musique est... Bah, c'est un remix de la toute première. Enfin, après, c'est toutes des remixes. Elles ont le même rythme à peu près, mais... Celle-là, elle l'a beaucoup plus, quoi. Enfin, on ressent vraiment que c'est la même musique. J'avais oublié qu'il pouvait agir lui. Oh waouh.
Ah ouais. On s'intéressera à ça plus tard. Ah d'accord, cool, les mascas je peux les tuer en un coup. Petite sauvegarde ici. De thé, boisson fraîche, t'as ton thé qui t'attend. Ok, cool. On adore faire des jeux de mots avec la langue japonaise. J'aime pas les verres ici, ils ont tous rikiki. Comment on fait pour les utiliser? Je comprends pas. Heureusement que j'ai apporté une paille, je peux même vous apprêter si vous l'avez prêt. D'accord. Et qu'on a peut-être besoin. Le mec nous donne sa paille comme ça dans le plus grand des calmes. Vraiment tout va bien dans ce jeu. Non pas la paille, oui c'est pas un passe d'accès, je le conçois. Les marrons du ballon. La boule le fric. Ouais. Fais attention, moins de détails dans ce jeu, c'est incroyable. Est-ce qu'il a besoin de lui parler? Il se demande un ninja, je suis sûr qu'il y a là-dedans un tas d'individus qui cherchent la bagarre. Attends, tu peux changer de botte et tout quand en combat? Mais c'est nul! Ah c'est toi Mario. Tombe bien, je venais juste te flairer une odeur inconnue. C'est d'un type en vert avec une grosse truffe, pardon, un gros nez qui s'est précipité dans le manoir. Il courait à une allure et s'y passe quelque chose d'intéressant, une distribution gratuite de Nemos. Un type en vert, on se demande bien qui c'est. Est-ce que Luigi est dans les parages? Attention les visiteurs. En raison d'une pénurie d'os à ronger, Champinette est en rogne, il n'approchait pas sa nourriture. D'accord, donc il nous faudrait un os pour pouvoir avancer plus loin. Waouh, la frousse! Moi je croyais que tout ce qui était rond était mignon. Oh, j'avais pas vu! Là, ou... Voilà. On dirait pas comme ça, mais la photosynthèse c'est épuisant, surtout avec des mini-feuilles. Je n'ai même pas eu l'occasion de papillonner. Ces trails, ce sont des astuces. Même toi, tu n'as aucune chance contre elle, Mario. Crois-moi, la vie d'insecte, c'est une vie de chien. On peut pas s'en aller, ce masque à ce pied bizarre, il connaît pas les portes coulissantes ou quoi? C'est pas la première fois qu'on parle du manoir ninja.
on va voir dans ce cas à gauche, et je pense qu'on s'en sera là pour cet épisode. Chaque bâtiment de Shogunland a été élaboré dans un grand souci d'esthétisme. C'est sûrement pour ça qu'on s'en est mis ici. Oh non, os! Clac, clac, clac. C'est bon, on avait quelque chose de mieux à lancer que cet os. La paille. Non? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il faut qu'on retrouve un ballon ou un truc comme ça. Ok, en fait, on est dans un espèce d'escape game, là. Je sais pas pourquoi c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Non, mais en vrai, il faut trouver cet objet pour pouvoir l'utiliser là. C'est un escape game, quoi. C'est bon, on me la fait pas. Ok, du coup, comme je disais, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, bye bye.